On va y aller doucement. On met pas tout, hein, si ? Non. Ils ont mis la main à la pâte. Dimanche, lors de la 21e édition du Salon de la gastronomie et des arts de la table, quelques volontaires ont participé à des démonstrations culinaires. À la barre, on retrouve le chef des Laurentides, Mathieu Otto, mais aussi le boulanger-pâtissier, Julien Frulich. Le but est de présenter des recettes simples, comme ici, pour une bûche. C'est en fait leur montrer aussi comment est-ce qu'on travaille en entreprise et montrer que le travail en entreprise peut aussi être réalisé à la maison. J'aime bien le partager avec les gens les différentes recettes, manières de faire, les procédés aussi à respecter pour bien pouvoir faire les recettes, l'assemblage et puis les finitions. Parmi celles et ceux qui ont osé aller sur scène, on retrouve Marie. Elle a beaucoup appris aux côtés des professionnels. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir des conseils d'un professionnel et puis d'agir avec ses mains. On retient mieux la recette que si on avait été simple spectateur. Donc on peut considérer que c'est une chance d'avoir participé à la démonstration. Les bûches réalisées ont ensuite été proposées en dégustation pour le public. Les personnes ont pu déambuler dans le complexe François Mitterrand à travers les nombreux stands dédiés à la cuisine et à la gastronomie de la région. L'objectif était de découvrir, de goûter et d'apprécier.